Salut à tous, c'est Trail pour la chaîne Imaginaire. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Kingdom Come Deliverance. Donc j'avais été chasser le lièvre dans la forêt pour ramener au mendiant de la ville de Raté. Je vous ai passé cette partie qui était un peu fastidieuse. Bon, ça a été assez vite quand même. Et bien évidemment, ils m'ont demandé d'aller chercher d'autres animaux, notamment des cerfs. Donc on verra si on en ramène, mais ça sera vraiment optionnel. J'ai pas encore trouvé où on trouvait les sacoches de sel. C'est quelque chose que j'aimerais bien, trouver. Et pour l'instant, nous sommes en route pour aller vers Charbonnier. Reprendre la quête principale et l'enquête principale. Gagner un peu d'or, c'est pas très compliqué. On va éviter. C'est vrai que je vois ce qu'ils ont à dire, ces gens-là, mais bon, pour l'instant, je veux avancer un petit peu sur la quête principale, parce que je pense qu'il va y avoir des choses qui vont nous être appris encore, et notamment récupérer de l'équipement pour le cheval. Pour l'instant, on n'a pas... On n'a pas encore récupéré ça, ce qui est gênant. J'essaie d'avancer un petit peu. Alors, oups, je me suis pas trompé de vallée là. C'est bon, c'est tout droit, mais on devrait traverser un cours d'eau. Ah, il est là. Ok. J'ai pas vu le pont. Alors, j'en ai déjà fait un tout petit bout de cette quête que j'avais pas terminée parce que je m'étais fait attaquer en, forêt. Donc, on va se rendre dans deux campements. Là, il y a de la fumée. C'est les campements avec de la fumée qu'il faut retrouver. On va aller discuter avec le chef du campement. Le porte-parole, je crois que c'est lui. Voilà. Le Seigneur soit loué. Vous pouvez m'aider? Tout dépend de ce que vous voulez, non? Je suis à la recherche de Rouquin, un palefrenier de Neuhof. On dit qu'il s'est enfui et qu'il a rejoint des charbonniers avec qui il avait pour habitude de traîner. Désolé, mais il n'y a jamais eu un type surnommé Rouquin par ici. Vous feriez mieux de chercher ailleurs. Un meurtre a été commis à Neuhof, et ce garçon sait sûrement qui l'a commis. C'est d'une importance capitale. Ce ne sont pas les meurtres qui manquent ces derniers temps. Mais je vous assure que ce Rouquin n'est pas venu ici. Quand j'aurai amené ces vermines à la justice, il y en aura beaucoup moins. Alors pourquoi ne pas m'aider? Bon Dieu, mon gars, calmez-vous. Personne correspondant à cette description n'a mis les pieds ici. Mais je vous le dis encore une fois, il y a d'autres charbonniers. Allez les voir. Vous feriez mieux de vous dépêcher. Vous n'êtes pas le seul à le réclamer. Et les autres n'avaient pas l'air aussi commodes. Même s'ils se sont montrés généreux. Ils n'ont pas dit pourquoi ils le cherchaient par hasard? Non. Mais il n'avait pas l'air de vouloir l'inviter à un banquet. Vous n'avez pas idée d'un autre endroit où il aurait pu aller? Vous m'avez dit qu'il était ami avec des charbonniers. Vous les trouverez sûrement dans la forêt entre Neuhof et Usis. Il y a de bons coins par là. Mais cette forêt est immense. Je pourrais passer des semaines à chercher. Dans ce cas, suivez la rivière. C'est comme ça que vous nous avez trouvés, non? Là où il y a des charbonniers, il y a toujours de l'eau pas loin. Bon, dans ce cas, je vais aller demander ailleurs. Ils aiment bien lever le doigt en l'air quand ils parlent. On va aller rejoindre le campement des autres charbonniers. Ok, c'était moi, mémoire est bonne, par là. Au contraire, ce cours d'eau pour rejoindre la ferme. Je sais plus trop s'il y a un pont, je crois pas. J'étais retrouvé à devoir suivre une sorte de guet la dernière fois. Par où est-ce que... Par là. Pour remonter par la piste qui est là.
Oui, c'est vrai que j'ai un peu moins vite quand je galope parce que j'ai choisi permettre au cheval de porter plus d'équipement. C'est peut-être pas la meilleure idée au final. Ça a quand même fortement ralenti le cheval. Choisis l'option cheval de trait. Alors je sais plus s'il faut que j'aille là. Là. Oups. Je pense que c'est cette route. C'est ça. C'est pas celle-là, c'est l'autre d'à côté. Ok. On est parti. J'aurais vraiment peut-être dû prendre l'autre option. Pour pouvoir permettre d'aller plus vite à cheval. Donc, tant pis. On passe au milieu de sorte de menhir. Je sais pas si on va buter sur les routes. Pas certain. Ah mais il y a des routes partout ici. Et tout droit, on va passer près d'une croix, il faudra qu'on suive. Ok. Je sais pas si on aura un endroit où on peut rattribuer quelques compétences. Pas du tout. Alors c'est derrière cette butte. Pas certain que ce soit une grande idée de filer l'équipe là, parce que je pense qu'on va tomber sur les brigands, on va encore se faire allumer. C'est gros comme une maison. Ben, repousse-toi le cheval, j'ai besoin de toi après pour courir. Si on pourra réorienter nos compétences, j'en doute quand même. Tant que le jeu permet pas ce genre de petite folie. Alors il faut qu'on trouve le porte-parole, je crois que c'est lui. Non. Portez-vous bien. Je cherche Rouquin de Neuhof. Est-ce que vous le connaissez? En effet. Qu'est-ce que vous lui voulez? J'ai quelques questions à lui poser. Vous allez devoir tenter votre chance ailleurs. Il n'a pas pour habitude de venir souvent ici. Il faut absolument que je lui parle. Un horrible crime a été commis au Hara. Et ce garçon en sait sûrement quelque chose. Je dois le faire parler. Vous croyez qu'il a joué un rôle dans tout ça? Difficile à dire. Il s'est enfui, mais d'un autre côté, tout porte à croire qu'il a poignardé l'un des assaillants. Présenté comme ça, ce doit être vraiment urgent. Oui, je le connais. Pas personnellement, mais je l'ai déjà vu aux alentours. Il est ami avec les charbonniers en aval, près de Thalmberg. Je sais qu'il fréquente les jumeaux. En aval, près de Thalmberg? Quelque part près du château? Si vous suivez la rivière vers l'ouest, vous tomberez forcément sur eux. Et une dernière chose. Oui. Des hommes sont venus à sa recherche, mais ils n'étaient pas aussi convaincants que vous. Bon, on a un train de retard. Alors, on nous fait passer par la forêt. Bien sûr, le meilleur moyen, c'est de retomber dans une embuscade. Voilà. J'avais suivi ce chemin qui s'est pas avéré une super grande idée. On va quand même recommencer. On aime bien quand ça pique. Alors, hop. Alors, de toute façon, je pense que je me barrerai. Parce que la dernière fois, ils étaient quand même 5.
Je suis pas super doué en combat, vous imaginez que ça s'est pas super bien passé. Alors on va suivre en restant à gauche. Aller un peu moins vite, histoire de voir le danger venir et de pas épuiser le cheval s'il faut galoper un bon coup. J'explore un petit peu le jeu entre deux vidéos, sans sauvegarder. Ça me permet de voir un petit peu ce qui est intéressant de vous montrer. Alors j'ai pas été plus loin dans la quête, hein, donc... Ok, on a un chasseur. Et on a le campement des charbonniers. Il ne semble pas y avoir de brigands. Bonne journée à vous. Je recherche un garçon de Neuhof, surnommé Rouquin. Vous ne sauriez rien sur lui par hasard? Qu'est-ce que vous lui voulez? Il est soupçonné de meurtre. Je dois l'interroger. Ou l'emmener directement en prison. Si vous avez un besoin si pressant de le trouver, je pourrais obtenir une récompense. Pas vrai? J'enquête sur un crime. Je ne suis pas en train de troquer un poulet. Vous avez de l'argent sur vous, j'en suis certain. Alors donnez-le-moi, et le marché sera conclu. Et si je vous cognais le crâne, et que je vous traînais jusqu'au pilori de Raté? Non, pas la peine. Tout ce que je voulais, c'était un peu d'argent, et je me prends une raclée. Allez, crachez le morceau! Bon, très bien. J'ai appris qu'il le cachait dans une cabane isolée, à l'orée de la forêt, sur le chemin qui mène à Usis. Alors vous voyez, quand vous voulez. Ok. Je pense qu'il faut prendre cette route. On va essayer. On monte pas du bon côté du cheval, c'est mal. Normalement, on monte toujours du côté gauche, je crois, sur un cheval. D'ailleurs, le personnage descend toujours du côté gauche, vous remarquerez. Alors. On va éviter de galoper sur doigt éperonné. Et c'est ça, le chemin qui monte. Voilà. Du coup, les accidents, je sais pas à quoi ça sert. J'ai pas l'air d'y avoir quoi que ce soit qu'on puisse activer, je sais pas. Alors, il y aurait une cabane sur le chemin de Usis.
Alors j'imagine que les poursuivants ont été aussi convaincants que nous. Donc ça va pas super bien se passer. Et on est déjà loin là, on va arriver à Usis. Hein. Encore loin. Il y a une cabane là. Si j'ai passé la cabane, on a découvert un lieu d'intérêt. Ouais, super. On a déjà été loin là, on est en train de se rapprocher du Zis. Bon, j'ai poussé encore un peu plus. Je pense que c'est pas ça. Hey. Bon. Désespérément pas ça. Je vois des chevaux, est-ce que ce serait pas une écurie? Que Dieu vous accompagne. Ah ben voilà. Bon, j'ai pas assez d'or. On a trouvé les selles et les sacoches de selles. C'est pas lire, donc ça sert à rien. Les éperons, ça sert à quoi? Permettre de mieux contrôler son cheval. Ok. Il
Alors, je suis pas en train de repartir par le bon chemin. Merci. Alors, c'est pas une cabane là ou c'est un truc pour faire sécher le foin? Je sais pas. Non, c'est un caillou. Il y avait un accident, mais rien n'a y trouvé. Alors, près du caillou, il y a un, ou de la mare, il y a un lieu d'intérêt. Bon, mis à part une belle mare et du crottin, je vois pas. Alors, je pense que notre ami est en forêt. Je vais essayer d'aller moins vite. On va essayer de surveiller si je vois une cabane. Bon, je vois que dalle. Super, il y a un vieux puits, un lieu d'intérêt magnifique. Ok, il va falloir que je me renseigne plus sur cette cabane.
Où est-ce que je suis là? Oh, je me suis complètement paumé. Mes hommages. Ok. Super, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Pas de cabane. Ça commence à me donner mal au cœur de regarder à droite et à gauche, je sais pas où je vais. Je vois rien. Je vois pas où est sa cabane. Hein. Peut-être par là. Comme un doute quand même. C'est dans le campement carrément qui le cache? J'essaie de regarder. Là, il n'y a personne. Bien le bonjour. Qu'y a-t-il pour votre service ? Oui, Rouquin. Je sais que vous le cachez. Je ne partirai pas d'ici sans avoir obtenu une réponse. Qui vous a raconté ça? L'un des charbonniers de votre campement. Je ne connais pas son nom, mais il avait l'air très sûr de lui. Il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit. C'est un beau ramassis de conneries. Tiens donc. Ma foi, c'est facile à vérifier. Puisque vous lui apportez son repas tous les jours, il me suffit d'attendre que l'un de vous parte le voir pour ensuite le suivre. Et puis merde, le mal est fait. Qu'est-ce que vous lui voulez? Je veux le retrouver et évoquer avec lui l'attaque qui s'est produite. Mais Rouquin n'est pas en sécurité tant que ces deux assassins sont dans la nature. Si vous voulez lui parler, commencez par régler ce problème. À moins que vous ne fassiez partie de leur clique. D'accord, je vais m'occuper de leur cas. Et ensuite, vous me direz où vous dissimulez Rouquin. Oui, vous vous débarrassez d'eux et je vous dis tout. Ces bandits, ils sont à quel endroit? Je ne suis pas tout à fait sûr. On peut se planquer dans un tas de lieux par ici. Mais ils sont allés et venus par le pont. Donc j'imagine qu'ils sont quelque part entre ici et nos voisins. Ce qui fait une grande surface à ratisser. Pas tant que ça. Il y a un chemin pas loin d'ici qui mène à un campement abandonné. Bon, on a sauvegardé, c'est déjà ça. Ah oui. Une petite zone. Si c'est les bandits qui m'ont attaqué la dernière fois, ça va être compliqué. Parce qu'ils n'étaient pas un ou deux, franchement. Bon, de toute façon, on va s'arrêter là. On a trouvé où ils étaient, nos amis. Alors, il suffisait de discuter ici. Donc, on va s'arrêter là. Merci à vous. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. On va aller affronter les bandits.